Alexandre Kowalski, vous êtes responsable de la communication chez Yamaha Motor France. Pouvez-vous nous parler des nouveautés 2008 chez Yamaha? Écoutez, 2008 est une année importante chez Yamaha puisque nous avons quand même beaucoup de nouveautés, notamment en sportive où il y a la toute nouvelle R6 qui arrive avec les nouveaux systèmes de gestion électronique au niveau des conduits d'admission qui reprennent un petit peu la technologie de la R1, hein, des conduits d'admission variables qui apportent plus de coupe, plus de force, plus de puissance à bas et puis mi-régime et puis donc de grandes perspectives pour cette nouvelle R6. Nous avons également l'YZF 125 qui est un tout nouveau produit, donc 125, 4 temps, Euro 3, donc injection bien évidemment, et donc qui est en termes de design directement issu des meilleurs supersportifs de Yamaha. Et puis nous avons la partie scooter avec le VT 125, donc petit scooter citadin, et le nouveau T-Max qui reçoit un tout nouveau châssis en aluminium, une roue de 15 à l'avant pour une meilleure stabilité. Et puis ensuite nous avons les enduros avec la WR250R, WR250X qui est un nouveau petit monocylindre qui va permettre de toucher les utilisateurs de ce type de produit. Sans oublier bien évidemment cette nouvelle Ténéré 660 qui est un tout nouveau produit sur la base de la motorisation 660 que l'on connaît, un réservoir de 22 litres. C'est une moto voyage au long cours, donc pour de longues pistes, de longs voyages et de grandes aventures avec ce tout nouveau modèle pour lequel nous attendons beaucoup. Sans oublier bien évidemment la présence de notre proto VMAX qui est le concept bike qui a été présenté à Tokyo il y a quelques années. À propos du salon, on constate qu'il y a pas mal de marques européennes, américaines, mais aussi les Chinois arrivent en force. Et quelle est un peu votre analyse? Écoutez, au niveau du marché européen, je dirais des concurrents européens, aujourd'hui, il y a un développement au niveau des niches de marché, au niveau de segments de marché qui sont intéressants, pour lesquels nous sommes attentifs également. Je dirais que c'est aussi une stimulation pour nous, parce qu'on est là aussi pour se remettre en question, pour progresser, pour améliorer nos produits, nos services, satisfaire les besoins de nos clients. Donc nous sommes attentifs à ce qui se passe et essayons de développer un petit peu ces concepts-là. Quant, je dirais, aux marques chinoises, eh bien aujourd'hui, Yamaha a mis 50 ans à bâtir ce que nous sommes aujourd'hui sur le marché français et dans le monde. Et je dirais que c'est un service, c'est bien évidemment des produits, c'est une qualité, c'est une fiabilité, c'est du service client, c'est des concessionnaires, c'est 300 concessionnaires en France. Et aujourd'hui, c'est vrai que seul compte, je dirais, la stabilité performante dans le temps. Merci. Je crois que une dernière question. Yamaha Motor France a toujours été attaché à la compétition. Je crois que cette année vous avez gagné le Bol d'Or. Quels sont vos projets immédiats, votre engagement pour 2008? Juste après le salon, nous avons notre Serge Nuc national qui est champion de France en titre des rallyes, donc des rallyes routiers, hein, et qui a vraiment fait une très belle saison cette année encore. Et puis pour lequel nous poursuivons notre effort sur le Moto Tour cette année et on espère qu'il va reconquérir son titre. Donc on est vraiment avec lui de tout cœur. Et puis pour 2008, bien évidemment, Yamaha repart en compétition à travers le GMT 94 hein, et la R1. Puisque nous participerons aux 24 heures et au Bol d'Or, toujours avec Sébastien Gimbert, David Checa, plus un troisième pilote qui n'est pas encore défini. Et puis un engagement mondial aussi, Superbike, pour faire rouler David Checa et Sébastien Gimbert. Et puis, on n'a pas encore discuté, je dirais, avec Serge Nuc, mais on a bien évidemment Yamaha et Serge Nuc. Ça fait des années que, je dirais, c'est une longue histoire, c'est une longue passion entre lui, entre son image, le personnage et puis la marque. Je pense qu'on va essayer de continuer le championnat de France de rallye routier. On n'en a pas encore trop parlé, mais on a des perspectives pour lui la saison prochaine. Merci beaucoup, Monsieur Kowalski. Restez connectés, voilà, sur motostation.com, l'info en continu.